Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Salut Cécile. Comment vas-tu? J'espère que tout le monde va bien en ce vendredi 11 novembre. Ça y est, c'est le coup d'envoi d'une nouvelle session de stream. Et j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue à nouveau, ma chère Cécile. Et j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue. Eh bien, écoute, ça va, je te remercie. En repos aujourd'hui, vu que c'est jour férié, ça fait plaisir. Et toi? J'espère que la caméra et le son sont bons. On va du coup va continuer aujourd'hui. Enfin, là, ce matin, c'est. Alors, je ne sais pas si tu aimes bien le foot, Cécile. Mais là, on est sur du coup Football Manager. Et bon, j'ai juste un match de Coupe de France à faire. Et après, du coup, vers 14h, je compte commencer un jeu que tu connais peut-être, même si c'est une exclu Sony, que j'ai jamais découvert, qui s'appelle The Last of Us. C'est tout mignon, tes émoticônes. J'espère que tu avais reçu mon message. Je t'ai envoyé, tu sais, un petit chuchotement pour voir si ça marchait. J'espère que tu auras bien reçu. Et du coup, je te disais que oui, je vais découvrir The Last of Us là sur les coups, bah, je pense dans une petite heure. Je vais streamer, je pense, pendant 2 heures parce que je ne connais absolument pas le jeu. J'ai dû y jouer une fois, j'avais fait le tout début, c'était quand il était sorti sur PS3 à l'époque. C'était chez des amis. Ah, bah c'est gentil que tu sois de passage. Ça s'est bien passé ton jeu la dernière fois? Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas de transfert en attente. Ah non, c'est le mercredi. Ah oui, si, c'est ça, c'est dans 2 jours. Ah, le café fait du bien en tout cas. Aucune offre pour Merlin. Alors, quel est ton programme pour la journée, toi, Cécile? Sujet suivant, je sais ton groupe d'encadrement. Ah, il a 18 ans, mais. Bon, c'est sûr que là, c'est un jeu qui bouge beaucoup moins. Football Manager, c'est du sport. Jeune défenseur central de 18 ans. Ouais, mais non, ce qu'il y a, c'est que je vais en avoir besoin. J'ai remarqué que vous avez tout le soutien de l'effectif, principalement raison du temps que vous avez passé à l'équipe et de votre engagement sur la durée. D'ailleurs, c'est. Je commence à penser que Jean-Rickner Bellegarde a le potentiel pour devenir un joueur de qualité. Théo Sainte-Luce. Est impressionné par la forme de Todibo. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Réunion avec le staff. Ouais, le mec, je le félicite, il est pas content, quoi. Faut m'expliquer la logique des fois. Offre de West Ham pour Thuram. 1,3 million.
Non. Mario Lemina. Bon, après, il joue pas énormément. Il a joué combien de matchs? Je sais pas si t'es toujours là, Cécile. Il peut jouer en 6, il peut jouer 300 000 euros budget transfert. Ah bah oui, ça attaque, ça attaque, ça attaque. West Ham. Naïef Aguerd. Paco Alcacer. Ogbonna. Non, 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 non. Yarmolenko. Non, bah à mon avis, elle est partie, Cécile. Fabianski, non. Koufal, non. Soucek, Issa Diop peut être trop cher. Mark Noble, non. Emerson, non, mais ils sont trop chers, je peux pas. Naïef Aguerd. Non, je refuse la proposition. Négociable, on va mettre 10 millions. Ah, il va être transféré, Kefren Thuram, mais non, non, je peux pas. Non, bah écoute, je vais reload. Putain, il va m'emmerder. Non, il faut que je reload. Il faut que je reload. Non, non, Kefren, tu partiras pas. T'attends au moins la fin de saison, mais j'ai besoin de toi, là. Il va pas commencer à faire des scènes, lui, là. Ne partira pas. Du moins, il attend le mois de juin. Kat, je sais que tu es là. Offre de West Ham pour Thuram, putain. 1,3 million. Lemina vers le Shakhtar.
Ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde. L'autre, il va faire le forcing pour se barrer. Oh, attends, un mec qui vaut 6 millions, on propose. On m'en propose un. Non, 500 000 euros. Paco Alcacer, non. Thilo Kehrer. Qu'est-ce qu'il branle ici, lui? Non, mais trop cher, trop cher. Pierre-Emmanuel et quoi? Je refuse. Putain, si je vends Mario Lemina, j'ai qui en milieu? Lacou, Le Bry, Fruc. Ah, j'ai rien d'autre après. Hein. J'ai rien d'autre. Hein. Canedo. Thuram veut discuter. Putain. Ah là là, lui il va me faire chier. J'apprécierais de pouvoir négocier avec West Ham. J'estime avoir besoin d'évoluer aux côtés de coéquipiers d'un niveau supérieur à ce stade, mais ta gueule, quoi. Je ne peux pas vous laisser partir avant de pouvoir vous remplacer, donc pas avant le prochain mercato. Ok. Donc le. Je sais pas, je sais pas, il me gave, je sais pas. Il partira l'été prochain, mais il termine au moins jusqu'au mois de juin, quoi. Ou alors, il faudrait que je le mette dans un deal. Je vais tenter avec Malo Gusto, mais. Tirage au sort de Coupe de France aujourd'hui. Boscali. Normal, Olivier Boscali à City, quoi. Tirage au sort de Coupe de France. Alors, je rappelle que le match a lieu demain. Nice ou Marseille recevra Cannes ou Lyon. Ah putain, ça veut dire un potentiel Nice-Lyon. Guingamp, Toulouse ou Angers. Rennes, Paris FC et PSG Lens. Ah putain, ça veut dire quoi? Ben, il y a un potentiel Nice-Lyon.
qu'il y a un potentiel Nice-Lyon? Il est où, Malo Gusto? Parce que moi, je veux bien t'échanger, mais à condition. Non, ils ne veulent pas. Je m'en doutais. Ah, par contre, si. Ah, mais il va pas vouloir y aller. Lui, il va vouloir un grand club. Enzo le fait, mais. Ils veulent pas. Bon, bah, c'est pas grave. Moi non plus, je veux pas. Moi non plus, je ne veux pas. Donc, non, rien qui bougera, vous attendrez l'été. 1,7 million. Non. Ah, le Bayern. Ah, mais non, je peux pas, je peux pas. Ouais, forcément, ils veulent pas. Nedeljkov. Je pense que Lemina il va rester, il partira l'été prochain. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Everton serait apparemment intéressé. Non, non, mais tant pis, il partira pas, hein. Tant pis, m'en fous. Un million huit. Bien sûr, je refuse 2 millions et... Non, mais vous aurez pas Khéphren Thuram. Je m'en fous, hein.
C'est refusé. Sony Perkins. Alors, j'espère que tout fonctionne bien. Bon, là on a un gros match à jouer contre l'OM. Pour une qualification en quart de finale de Coupe de France. La journée s'annonce calme, peu de transferts devant être effectués, mais les dernières heures du mercato sont généralement imprévisibles et on pourrait assister à une ou deux surprises. Beaucoup d'observateurs s'attendent à ce que les nombreuses rumeurs ne se concrétisent pas et annoncent une journée calme dans l'ensemble. Nathaniel Klein. Ouais, on va participer à la dernière journée. Nice contre Marseille dans le derby. Les joueurs de Nice partent légèrement favoris. Je touche du bois pour que ce soit le cas. Face à Marseille dans une rencontre qui s'annonce tout de même serrée. Une rencontre en quart de finale face à la AS Cannes pourrait attendre le vainqueur de ce qui s'annonce déjà comme un match très disputé. Nice va devoir passer afin de remplir l'objectif minimum pour en arriver là. Allez les gars! Peut-on s'attendre à un transfert de Khéphren Thuram? Je ne veux pas le vendre, donc si un club est intéressé, il faudra une offre qui tienne la route. Non, non, Mario Lemina. Ah, période d'enregistrement de Ligue 1. Hein, Khéphren Thuram, il est observé, mais il partira pas. Donc ça, de toute façon, je m'en fous. Georges Mikotadze a été influencé, mais également négatif par la personnalité de son groupe d'encadrement. Il est désormais... Son tempérament lui joue plus de tours qu'auparavant. Il est...
Nos statistiques offensives sont bien au-dessus de la moyenne, ce qui est une excellente chose. Notre performance statistique est bien au-dessus de la moyenne. Ah oui, largement, hein. Date importante en février. Je suis dans la merde là. Cinquième club le plus dépensier. Alors que vous réalisez une bonne saison jusqu'ici, espérez-vous renforceur de ça. Dans 13 heures. Nicolas Pento, rumeur. Denis Loutkeffri. Diogo Rossa. Non. Rhys Devine. Jeune espoir, jeune joueur. Avant cette rencontre, étant donné ces déclarations après votre dernière confrontation. Il semble toujours aussi déterminé à vous provoquer. Est-il important que vous et votre équipe parveniez à faire abstraction de ça et restez concentrés sur eux?
Estimez-vous que le propriétaire partage vos ambitions s'agissant du club? Êtes-vous optimiste pour la prochaine rencontre? Ressentez-vous un peu de pression avant d'affronter un grand rival comme l'OM? Pour la troisième fois, Nice-Marseille cette saison. Pensez-vous Victor Gondratchenko capable de gérer la pression aussi bien que vous? La pression commence-t-elle à se faire sentir sur vous et vos joueurs, d'autant que les supporters ont du mal à accepter un résultat autre que la victoire? Avez-vous dû adresser à vos joueurs pour vous dû vous adresser à vos joueurs pour le rappel important de garder le sang-froid dans les rencontres souvent très tendues? Pouvez-vous nous donner des informations concernant l'équipe que vous allez aligner? Je refuse de rentrer dans les détails tactiques. Attendez-vous ce genre de confrontation avec la même ferveur que les supporters? Peu de vos joueurs ont rejoint leur sélection, ce doit être un avantage pour vous. Êtes-vous d'accord pour dire que Luis Suarez sera le danger principal pour la défense? Il faut se méfier de tous les joueurs adverses. Qui est le plus grand danger pour Marseille? Aucune des réponses. Que pensez-vous des critiques reçues par Nice concernant le nombre de joueurs partis en prêt? L'arrivée récente d'Axel Disasi semble avoir eu un impact positif qui semble plus heureux. Pouvez-vous nous en dire? Allez-vous devoir compter sur Mario Balotelli, bah bien sûr, pour affronter Marseille, lui qui semble toujours répondre présent dans les gros matchs? Dans quelle mesure ce mercato a-t-il modifié vos objectifs pour le début de saison? Ah, par contre, moi je t'échange. Putain. Putain, putain, putain. Il faut que je sauvegarde avant de faire une connerie. Si je peux avoir les deux, Diego Rosa et... Ryan Bertrand. Mais j'avais fait une offre pour lui. Ouais, non, j'ai tout. Loutkeffry. Putain, c'est chaud, c'est la fin du match. Bah, Lemina, il va se barrer.
Lemina, j'accepte que tu te barres. Ah putain, blessé 2 à 4 semaines, j'avais pas vu. Diego Rosa. Tony Fruc. Ouais, Gondranchenko prêt au combat. Riolo espère une équipe de Nice plus forte. Ivan Morante. Non. Nathaniel Klein. Putain, j'aurais dû vendre Lemina. Pouvez-vous nous dire si vous étiez proche de trouver un accord pour Bounassar? Ah mais faut qu'il se casse, Mario Lemina. Les dirigeants sont très contents de vos qualités de leadership à la tête de l'équipe. On l'avait emporté 3 à Ajaccio. Selon nos sources, vous avez rejeté une proposition pour Khéphren Thuram. Est-ce que cela va en rester là ou pourriez-vous changer d'avis? Khéphren n'est pas à vendre, au moins les choses sont claires. Ah, Petkovic à Lyon. Nathaniel Klein. Ah oui, il y a Rhys Devine. Ah mais il est blessé, ce con. Diego Rosa. On va voir ce que ça va donner.
Il est peu probable d'obtenir le transfert qu'il souhaite tant. Comment voyez-vous la suite? Je lui demande de faire preuve de patience, il finira peut-être par obtenir ce qu'il souhaite, mais pour l'instant il reste un joueur de Nice. Voilà. Ah mais putain, les choses sont claires ou pas encore? Binguru Camara. Daniel Petkovic à Lyon. C'est bientôt la fin. Ah oui, rumeur. C'est bientôt la fin du mercato. Ah. Putain, Rennes, ils ont fait un gros coup là. Titouan Fortin. Il reste 3 heures. Non, 1 heure. Allez, Mina partira pas. Lemina partira pas, mais Lutkefri ne partira pas non plus. Et bah Saint-Luce ne partira pas non plus. Voilà. Comme ça. Voilà, le mercato est clos. Non, bah, dans tous les cas, il partira pas, Mario Lemina. Donc c'est non. Voilà. Par contre, Lemina et Thuram, ils vont partir au prochain mercato. Ça, par contre. Ah, bah si, il peut jouer Théo Sainte-Luce. Si, il peut jouer mon petit Théo.
Ouais, mais non, je vais pas faire jouer Trauco. Théo Lebrys. Bon, bah voilà, bah ça c'est. Ça sera l'équipe pour la fin de saison. Ah, il a joué Olafsson. Ah non. Alexandre Letellier. Non, il n'est pas parti, Letellier. Contre Ryan Bertrand à Rennes, ça c'est un très très bien joué. J'ai confiance, le petit Théo Lebrys là, il va pouvoir 19 ans, il va faire mal, je pense. Pembélé, bah, il est blessé. Non, il est suspendu. Ça fait chier. Rico à la trappe. Ah oui, c'est vrai que le PSG est en Europa League. Non, Riyad Nouri, il restera. Bon, Cannes-Lyon, j'imagine que Lyon va battre Cannes. Ah là, 3-0. Putain. Donc ça veut dire je me tape Nice-Lyon au prochain match. J'ai du cul en Coupe de France. On a un Nice-Lyon, PSG-Lens, enfin Nice-Lyon ou Marseille-Lyon, hein, Guingamp-Toulouse et Rennes-Paris-FC. Bon, eh ben, quand faut y aller, faut y aller. Les gars, je compte sur vous, les gars. Est-ce que je mets Mario Lemina? J'ai pas d'arrière-gauche. Castello Luqueba. Pour aller affronter Lyon au tour d'après, il faut passer par la case OM. Putain, c'est pas un parcours simple, hein. C'est pas un parcours simple. Mais bon, il faut bien, hein. On va bien voir ce que ça va donner, mais. Bon, de toute façon, on va voir comment ça se passe, mais au pire des cas, je ferai tourner. Toulouse-Angers. Sélection de l'équipe avec Bamba Dieng qui est revenu, enfin Dieng qui est arrivé pendant le mercato, qui a fait un doublé contre Ajaccio. Dans 4 jours, il y a un match contre Lille, match retour. Par contre, ça, j'ai promis à Olafsson, il va. On va faire tourner.
Je compte sur toi, Olafson. Khéphren Thuram, Théo Lebris, Lacou, Bellegarde, Mikotadze, Pléa. Chercher les choses, hein. J'ai froid. Allez les gars! Allez, 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 allez! C'est le dernier match de la saison contre l'OM après un nul et une victoire. Nice reçoit Marseille pour la troisième fois. Il va falloir continuer comme ça. Je touche du bois pour que ça continue. Et objectif, quart de finale face à Lyon. Il va falloir se sortir les doigts, les gars. Montrer qu'on n'est pas en Coupe de France pour rien. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu. J'aurais pu jouer au Vélodrome. Là, c'est à Nice. Continuer sur la lancée du dernier match. Les défenseurs, je compte sur vous. Et les attaquants s'appliquent, les garçons. Les deux équipes sont en forme en ce moment. Comment voyez-vous les choses dans ce match? Diriez-vous que marquer le premier but est déterminant? Espérez-vous une bonne prestation aujourd'hui? Bah oui, tant qu'à faire, oui, c'est mieux une bonne prestation. La rentrée des deux équipes sur le terrain, sur la pelouse de l'Alliance Riviera pour ce huitième de finale de Coupe de France. Nice est tombé face à Marseille, enfin est tombé, a été tiré au sort pour recevoir l'OM. J'espère que ce n'est pas un lapsus. Nice, troisième de Ligue 1. Nice, troisième de Ligue 1. Contre l'OM. Après la trêve hivernale qui a été assez longue, après le mercato, il est temps de continuer les bonnes ambitions. Bon. La Coupe de France n'est pas une priorité pour moi, donc bon. Mais j'aime quand même bien symboliquement éliminer l'OM, aller en quart de finale et tout, pour aller loin dans la compétition, c'est sûr. On verra bien. Eh bien, c'est parti, les deux équipes rentrent sur la pelouse. Allez les gars, allez, allez, allez. Après les reprises, après les fêtes de fin d'année. Il est temps pour les Niçois de rattaquer et c'est parti à l'Alliance Riviera. Les gars, on s'applique. Allez les gars. Bien joué, on fait pression, on fait pression.
Bien joué. Ah, putain. Ah, oh, but marseillais, putain. Olafsson qui fait une boulette. Ça démarre bien. Oh, hé les gars, vous comptez vous branler les couilles ou jouer au bout d'un moment là? Y'a rien. Y'a rien dans le match. Allez. Allez, Adrien. Oh! Bamba Dieng! Putain, la première occasion! Allez, Ross. Allez! Allez, Ross Barclay. Putain, la... Je suis absolument pas satisfait de tout ce que je vois. La parade d'Olafsson, ouais. Putain. Un zéro pour l'OM. Oh. Allez les gars. Allez, 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 c'est pas fini. Allez, Adri. Bamba Dieng, putain. Suis pas du tout satisfait. Non match total. Ouais. Allez les gars, allez bordel! Ah putain, la tête de Kefren!
Allez! Allez! Allez, Adri! Ah putain, j'ai pas d'autres attaquants. Allez, allez! Allez, allez! 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 Ah putain, la... Allez! Allez les gars! Allez! Oh putain! Ah putain, mais c'est pas possible! Mais merde! Allez Théo! Allez, un dernier ballon! Ouais, bah c'est fini. Et les qualifications de l'OM, va te faire enculer, tiens. Victoire de l'OM. But de Christian Pavone. Merci hein, le gardien. Hein. Merci Olafsson. Je suis absolument pas content. Vous allez en chier à l'entraînement, les gars. Mais on peut pas jouer comme nous savons le faire, on ne peut pas s'attendre à gagner. Pourquoi pensez-vous que ce soit votre faute? Un tel résultat face à un ennemi jury doit être difficile à avaler. De nombreux supporters se sont plaints que Mario Balotelli n'ait pas été remplacé malgré sa piètre prestation.
Ah, la qualification de l'OM pour la Coupe de France. Voilà, bravo les gars. Christian Pavone, quoi. Le mec, il a 40 ans, quoi. Ah non. Vous devez être extrêmement déçu d'avoir été éliminé. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Ne pensez-vous pas que votre échange d'amabilité, Victor Gorodchenko, Mais les déclarations d'avant match ont été détournées par les médias de manière totalement exagérée, n'ont pas pesé du tout. Cela a... Salut ma petite Vlex, comment ça va? Quel impact cette défaite face à Marseille va-t-elle avoir sur vos joueurs? Avez-vous apprécié le gros match de Jonathan Clauss? Depuis le temps, ça va ma petite Vlex? Putain, je suis dégoûté quoi! Frustré des occasions gâchées, bah, tu m'étonnes. Non, bah, c'est pas grave, vous allez bosser à l'entraînement, je m'en fous, hein. Ça va bosser, les gars. De toute façon, après, j'aurai eu Lyon, donc. Ta journée se passe bien. Bah, je suis dégoûté, je me suis fait éliminer de la coupe. Non! Hein, il est 14h. Ah putain, Rosario blessé. Suspendu. Tu travailles là aujourd'hui, ma petite Vex? Bah oui, je pense, parce que le 11 novembre en Belgique, c'est pas... Ah, tu travailles la demi-journée. Ça fait plaisir de te voir, ça faisait un petit moment. Ouais, courageux, je pense que c'est le mot, effectivement. Là, t'as travaillé ce matin ou tu bosses cet après-midi? Non, bah au revoir la Coupe de France. Ah, ça m'énerve, j'aime pas ça là. Ah, et du coup cet après-midi, tu vas faire quoi? De toute façon, j'aurais eu Lyon après. Donc... Oh, là, il y a Lille. Après, il y a Lens. Après, Toulouse et Reims.
Non, il n'y aura pas de Coupe de France cette année. Marseille-Lyon, Guingamp-Angers, Rennes-Perrier. Ah. Bah t'as raté d'ailleurs hier, j'ai fait un. J'ai continué avec Jacouille chez Monsieur Tenko. Un grand homme, ce Jacouille. Il s'est encore passé des trucs bien sympas. Monaco-Rennes. Putain, j'espère que Monaco va gagner. Ça m'arrangerait tellement. Et Strasbourg, il joue contre Montpellier. Non, par contre, c'est lui qui s'amuse à aller bézoyer un peu partout. Il a 5 ou 6 amantes, je crois. Les dirigeants de Nice ont confirmé qu'avec 35 624 spectateurs lors du match face à Marseille, le club avait. C'est vrai que Ben a clippé. Ouais, j'ai pas vu le clip et tout, mais c'est Tenko qui a parlé, c'était pas moi. Mais je vais streamer. Tu connais The Last of Us? Je pense, oui. Les joueurs de Nice ont dominé sur l'ensemble de la rencontre. Évidemment, c'est moi qui me fais niquer. Je prends un but à la con en plus, quoi. Nous avons effectué une bonne prestation. Nous avons tiré le plus souvent. Ouais. Ah, il paraît que l'histoire est géniale. Non mais comme d'hab quoi, voilà, j'ai le plus de tirs, j'ai la possession de balles, mais les joueurs sont incapables de cadrer. Non, pas du tout. La seule fois où je l'avais fait, The Last of Us, c'était c'était chez Tenko, il y a. C'était à l'époque où il était sorti sur PS3. Et j'avais fait que le début, là, tu sais, quand Ellie est petite, elle part de chez elle, je crois, et elle retrouve Joël et c'est tout, quoi. Je connais pas du tout. Et là, du coup, c'est la version PS5 que je vais faire. Non. Non. Pas du tout. Je connais pas du tout l'histoire. Bon après je m'en. Ah, Until Dawn, on l'a fait avec Tenko, je l'avais fait aussi. J'ai bien aimé, mais j'étais moins fan, tu vois, genre qu'un D3 ou quoi, quoi. Je pense à mon avis dans une demi-heure. Bon après c'est pas grave, je suis éliminé de la Coupe de France. Je préfère perdre un match en coupe que de perdre un match en championnat. Avez-vous et votre staff effectué des recherches avant de recruter ce joueur qui est à peu près qui est après tout peu connu du grand public? Dans votre effectif, Ross Barkley par anglais, oui.
Le fait que Rhys ne parle pas français vous inquiète-t-il? Ah, bah écoute, je streamerai vers 14h30, alors tu verras. Je vais découvrir en même temps. Ah, je suis rageux, j'ai perdu AFM, j'aime pas ça. Mais bon, après, on peut pas toujours gagner, mais. Ah, ça m'emmerde. Pensez-vous que c'est le genre de recrue qui peut aider le club à réaliser sa vision? Comment allez-vous tirer le mai? Là, tu débauches, là, du coup, Vlex? D'accord. Bon, bah, le temps comme ça que tu rentres, moi je vais aller mettre le jeu. Bon, bah, demain, nouveau match. Ah, sécurité de l'emploi, très solide. Ça va. Bah, rentre bien en tout cas, fais attention. Et puis, bah, on se retrouve donc vers 14h30. Là, il faut que je mette le jeu dans la console et tout. On se retrouve vers 14h30 pour la découverte, quoi. Bon, toi, tu connais déjà, mais au moins tu vas voir, parce que là, la version PS5, donc apparemment, ils ont refait tous les graphismes. Donc, on va voir, mais je suis très, très curieux. Très, très curieux de découvrir ça. Bah, je te fais des bisous, Vlex. Et puis, bah, à dans pas longtemps alors. Ah, Morata, il est à la FIO. La plupart des joueurs sont des bons tireurs de pénaux. Lucas Chevalier, quoi, José Font. Le jeu collectif reste à désirer, volume de jeu, ambiance, des temps de courage, les buts encaissés. Les gardiens manquent de qualité, mais effectivement qu'en qualité de placement. Lille, ils sont combien? Septième. Bon, j'aurais fait un huitième de finale, éliminé par l'OM 1-0. C'est pas grave, c'est la coupe. Je vais voir si je reload pour voir la réunion.
De toute façon, après, j'aurai une PSG en demi. Mohamed Bayou en stage avec l'équipe de Guinée. Ouais, bon, ça change rien, quoi. Je fais des tests, hein, au niveau des discours. Ouais, je vais leur dire ça, ne cogitez pas. Concentrez-vous sur le match d'après, c'est surtout ça. Rapport d'adversaire sur le LOSC. Ils ont perdu le match, mais ils se sont créés. De meilleures occasions que leurs adversaires. Ah ouais, la qualité de frappe, il faudrait qu'il y travaille. Bon, de toute façon, le maintien est acquis, 46 points, la coupe on n'y est plus, l'Europe on n'y est plus. On va se concentrer sur le championnat. Maintenant, un match par semaine, je pense que ça devrait aller. Et puis, bah, on verra bien. 46 points. Ouais, Kefren Thuram, tu vas partir. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, ça. Ah si, ça y retrouve le moral. Salut Ben! Comment ça va? Depuis hier soir avec Jacouille. Très heureux, c'est bien, faut que je leur remonte le moral, à montrer de très bonnes choses. Bien dormi? Ah, lui, ça a baissé.
Grave. Mais il est toujours là, il a 60 ans maintenant. Ah bah il fornique. Il aime ça, le saligaud. Ah non, Rosario, il peut jouer. Oh, 3 PSG, ben, je me fais pas d'illusions. Hein. Ils vont se faire défoncer l'oignon. Alors, il y a eu quoi? Mais ça commence à être chaud là. Oh, t'es sérieux? Trois qui mènent 2-0 contre le PSG, quoi. Ah, je me disais bien. 3-1 pour 3. What the fuck, quoi. 4-1 pour 3 contre le PSG, normal. Quatre-deux pour 3 contre Paris. Ça fait que si je gagne, je reviens à 8 points. Ouais, mais Lyon. Putain, là. Oh. Ça resserre encore plus les trucs en bas de tableau, quoi. Bon, de toute façon, le match contre le LOSC qui aura lieu demain. Putain, après, j'ai un match à Lens. J'ai les boules pour la Coupe de France. Je vais aller streamer, Ben. Je vais faire la découverte de The Last of Us, là. Tu sais, comme j'avais parlé hier, je sais même plus si j'en avais parlé. Record de match sans encaisser de but en vue pour Horn. Conseil sélection d'équipe. Je sais faire mon équipe. Les joueurs de Nice, selon 90minutes.com, les joueurs de Nice partent légèrement favoris à domicile face à Lille dans une rencontre qui s'annonce tout de même serrée. Troisième a remporté 3 de ses 5 dernières rencontres de championnat. Le club de Lille est classé 7e. Il pourrait se retrouver 6e, lui permettant ainsi de pouvoir se qualifier pour le tour préliminaire de la Conférence League de la saison prochaine. En fonction du vainqueur de la Coupe. Ah oui, c'est vrai qu'en fonction du vainqueur de la Coupe de France, ça va libérer une place en plus pour l'Europe. Les exploits de Timo Horn dans les buts pourraient le faire entrer dans l'histoire avec le record du plus grand nombre de clean sheets en Ligue 1. Timo Horn est... Ah et puis là avec le PSG qui a pris une branlée. Avec le PSG qui a pris une branlée. Non, ça va, les joueurs ont le moral et tout. Ah bah ça devrait le faire, ça va le faire. Ah ouais, putain, avec Lyon.
Putain, on a mis le même nombre de buts, le même nombre de buts encaissés. Ouais, bah ok, bah Lyon-Brest, ouais, laisse tomber. Par contre, 3, il se donne de l'air. Ça va être chaud, putain, de Montpellier jusqu'à Auxerre, il y a 4 points. Ah, Timo Horn est meilleur. Timo Horn est meilleur. Après, en Ligue 1, je suis invaincu depuis quand? Depuis le 4 décembre. Ça fait 2 mois d'invincibilité. 2 défaites. Une défaite contre Monaco, une défaite au Parc en 23 matchs. Après j'ai 10 points d'avance sur Lille. Dans tous les cas, je reste troisième. Ce qu'il y a, c'est que putain, là, faut en profiter. Paris qui a pris une tôle. Faut en profiter pour se rapprocher. Bon, je serai pas champion, mais j'aimerais bien que Rennes et Strasbourg soient accrochés et puis que. Que je l'emporte sur. Sur l'île, quoi. Ça serait l'idéal. En Rennes accroché par Monaco, j'y crois. Par contre, Strasbourg, par Montpellier, j'y crois un peu moins, quoi. Bon, on verra bien. Bon, bah voilà, messieurs, dames. Bah écoutez, je vais passer sur The Last of Us, là, sur PS5, on va attaquer. Je vais découvrir. Fort jusqu'à. Re ma petite Vlex. Ah bah tu vois, j'allais couper, je vais aller allumer la console là. Et j'arrive d'ici 10 minutes, d'ici 14h30. Exactement, on passe au QG numéro 2 comme tu avais vu. Faudra que on se refasse un petit game board si tu veux. Bientôt. Ce sera avec grand plaisir. Ah bah carrément. Bah tu me diras et puis on se fait ça. Moi je suis dispo tout le week-end. Je bouge pas. Donc si jamais t'es dispo et que ça te dit, on peut se faire ça. Avec grand plaisir. Bon bah voilà. J'y vais, je vous souhaite une. Ça marche Ben, merci à toi. Passe une très bonne journée. Dommage, tu vas rater le début de The Last of Us. Et puis bah ma petite Vlex, et ben je te dis donc à dans pas longtemps. De toute façon, tu auras la notification. Prochain match, Nice-Lille. Donc bah je te dis du coup à dans pas longtemps ma petite Vlex. Et puis bah bonne journée Ben, merci d'être passé. Et puis bah pour tous les autres viewers, parce que je vois que bon, j'ai 5 viewers. Bah, je passe sur The Last of Us version PS5, c'est ma découverte, je ne connais pas ce jeu, je sais, c'est un scandale, mais ouais, non, je ne connais pas du tout, si ce n'est les quelques premières minutes du jeu, donc je vais découvrir ça, donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre bah, dans 5-10 minutes pour voir tout ça et puis bah, pour voir ce que ça donne en version next-gen. À bientôt, à tout de suite Vlex, à bientôt Ben, au plaisir aussi, et puis bah, bon long week-end à tous ceux qui sont concernés par ce long week-end.
À tout de suite, bisous Vlex, salut Ben, et puis portez-vous bien!